Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour la vidéo de la Glossy Box du mois de juillet. J'ai mis mon petit haut de Shein, j'aime beaucoup, il est vraiment super. Donc, je suis déçue. La vidéo, elle est rose. Non mais... Ok, ils ont peut-être misé sur l'accessoire de juin, mais juillet. Juillet, ils auraient pu faire un truc estival. J'espère que Oud, vraiment, ils vont faire des efforts. Surtout que, en fait, ils m'ont envoyé un mail il n'y a pas si longtemps. Je payais 12,50 € et ça a augmenté à 14 €. Ça veut dire que ça me fait payer plus, presque 2 euros. Je ne comprends pas. Ils ont intérêt à faire des efforts sur le packaging si ils lèvent le prix. Enfin bref. Ok, donc nous allons commencer. Je me munis de ma tablette. Donc Glossy, juillet 2024. Salut les Glossy. Le mois de juillet est là et une nouvelle Glossy Box arrive à votre porte cet été. Préparez-vous à découvrir 5 nouveaux produits fantastiques et quelques pépites beauté avec des marques comme... Voilà, nous avons tous les produits de beauté qu'il vous faut pour apporter une allure estivale à votre trousse, un maquillage. J'espère qu'on l'aura. Si ils n'ont pas misé sur le packaging, j'espère qu'on aura de bons produits. C'est parti. L'histoire de la box. Soleil et détente à l'horizon. C'est l'été 2024 et n'oubliez pas les produits indispensables soigneusement sélectionnés de votre Glossy Box. Cet été, nous avons sélectionné des produits indispensables pour compléter votre routine beauté estivale. Au programme, plein de choses. Préservez la beauté de votre peau grâce à notre sélection de produits qui suivront votre look d'été. Et bien, c'est parti! Le premier, nous avons de Maniton. Je ne connais pas cette marque, donc c'est top. Éco-responsable Maniton disque nettoyant l'eau de deux. Ah, trop bien. Des disques nettoyants en microfibre respectueux de l'environnement qui éliminent même le maquillage le plus tenace. Avec seulement de l'eau chaude, les wipe out swipe sont ultra doux et parfaits pour une utilisation sur la peau sensible, les yeux et les lèvres sans avoir besoin de nettoyant. C'est plutôt cool, ça peut servir, donc super. Hop, ça se présente comme ceci dans une petite boîte, je l'avais déjà ouvert. Le packaging, ça me fait penser à Brushworks, je crois. Ils sont doux. Un rose, un gris. Donc franchement, plutôt contente, ça peut servir, oui. De la marque I Want You Naked. Masque réparateur skin barrière support. Protégez votre peau naturellement. Un masque réparateur pour une peau hydratée, nourrie en profondeur. Des pores resserrés, une barrière cutanée. Principaux ingrédients actifs, niacinamide, B3, allantoïne, scalone, acide hyaluronique. Donc un masque, ouais, pourquoi pas. Par contre, ils ont misé un peu sur la couleur du packaging, bien orange fluo. Ouais, un masque, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Oui, pour le soleil, quand il fait chaud, beau, le soir. Ouais, ok. À la limite, ça passe. C'est raisonnable. De la marque Spy Skincare, c'est une huile démaquillante Light Work. L'huile nettoyante délicate de Spy Skincare nettoie en douceur et rafraîchit votre teint. Elle élimine efficacement la saleté et l'accumulation de produits sans dessécher la peau. Adaptée aux peaux et aux yeux sensibles, elle élimine facilement les produits solaires tenaces, le maquillage et les impuretés, favorisant j'en suis à où? Ah, une peau plus douce et plus propre sans piquer. Pas besoin de frotter, elle vous assure un nettoyage en douceur du début à la fin. Alors, Paille, c'est une super bonne marque, mais j'aime pas les huiles démaquillantes. Je l'ai mis sur Vinted. Non. Ouais, non. Puis regardez, j'ai l'impression que c'est de l'arnaque, c'est jusque-là. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que ça a été vidé. Alors que je ne l'ai pas touché. Mais voilà. Bon, pour un. Ouais, ça peut aller pour l'été. Mais j'aurais pas vu une huile démaquillante, j'aurais plus vu autre chose. Peut-être une eau micellaire, un truc dans le genre.
De la marque Figuen Rouge, j'adore cette marque. Primer hydratant smooth set flawless filter. Donc, la base produit un effet filtre instantané et aide à protéger le teint contre la déshydratation, l'eau et la pollution environnementale, les rayons UV, la lumière bleue et les dommages causés au quotidien par l'utilisation des écrans. Elle est formulée pour que le maquillage reste frais et impeccable. Elle contient de l'acide hyaluronique pour aider à renforcer la barrière cutanée et à lisser le teint enrichi en huile de graines végétales et en extrait de pêche et d'abricot. Elle repulpe la peau et lui donne de l'éclat. Donc j'aime beaucoup cette marque, elle est bien. Donc moi je suis pas déçue. Donc c'est cool. Hop, j'aime beaucoup. Packaging. Alors les couleurs des packaging sont top. Donc là, je vois bien que ça rappelle bien l'été. De la marque Grum, donc qu'on connaît pas mal, qu'on a déjà reçu. C'est une brume visage hydratante. Ravivez votre peau terne et soulagez les irritations tout au long de la journée grâce à un mélange rafraîchissant d'essence d'arbre à thé et de fleurs d'oranger. L'harmonie est restaurée ainsi que l'équilibre du pH. Ok. Eh ben, on va tester ça pour voir. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, je sais que Grum sort des savons solides pour le visage et tout. Moi, je sais que j'avais pas trop aimé. Et ben, on va tester ça maintenant. C'est parti, mon kiki. Alors, c'est très frais. Je secoue, je secoue. C'est très très frais, mais par contre, l'odeur, j'aime pas trop. Ça fait pas été, quoi. Je suis un peu déçue. Alors, c'est frais, c'est très fin. Donc, ok. Bon. On va dire, je suis. Elle est pas ouf. Et par contre, je ne comprends pas. Je crois que Summer Vibes, elle y était il n'y a pas si longtemps. Dans la box, je vois pas pourquoi ça fait au moins deux fois qu'on retrouve toujours le même titre dans une box. Cherchez la logique. Ok. Bon. Alors, que dire de cette box Bah déjà le packaging de la box c'est pas ouf. On a quand même un démaquillant, on a des choses. En fait, je viens de voir, je suis un peu déçue, on a que pour le visage en fait. On a le masque, les cotons, le masque, la brume visage et la base de teint. En fait, ouais, non. Ouais. Moi je la trouve pas ouf. Voilà. C'est que mon avis personnel. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air, ça me ferait très très plaisir. N'oubliez pas de mettre la petite cloche ici pour avoir beaucoup plus de vidéos. N'hésitez pas à me mettre de jolis commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous juste ici et juste ici. Et je vous dis bye bye!